c'est Dina, je suis étudiante en master de système d'information à HEC Lausanne. Et je suis en train de terminer mon master. Système d'information, c'est un peu l'informatique de gestion, donc c'est ce qu'on appelle l'IT. Donc c'est à la fois du business et un peu de technologie, donc c'est assez intéressant d'être ici à San Francisco. Ce matin, on a eu une présentation très très intéressante sur comment se présenter en soi, comment apprendre à pitcher. Le pitch, c'est cette petite présentation de quelques secondes qu'il faut faire quand on va rechercher de l'argent ou présenter une idée à différentes personnes. Et c'est d'autant plus important qu'on a aussi rencontré un venture capitaliste, donc c'est ces gens qui vont mettre de l'argent dans une start-up à ses débuts. Et il nous a dit que parfois, quand les pitchs, donc les présentations n'étaient pas bonnes, ils partaient. Et donc apprendre à se présenter, à réussir à présenter une idée et à susciter l'intérêt de son interlocuteur, c'est un truc extrêmement important. Je pense que c'est vrai pour le monde des startups, mais aussi pour la vie en général. Il faut réussir à susciter l'intérêt de son interlocuteur. Les gens qui ont de l'argent n'ont souvent pas de temps. Et donc, c'est des pitchs et des présentations de 30 secondes ou de 60 secondes ou de 2 minutes maximum. Et donc, il faut vraiment, en 2 minutes, réussir à dire tout ce qu'on a à dire. C'est cette idée d'aller très vite quelque part. Et en fait, dans la série Silicon Valley, la série télé Silicon Valley, il y a beaucoup de pitchs incroyables. Et franchement, quand on regarde des TED Talks ou des choses comme ça, on voit que c'est très, très américain et que c'est très propre, oui, à la Silicon Valley. Ici, c'est un art. Les gens se présentent, ont une sorte de marque, un personal branding. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment envie de travailler dorénavant, essayer vraiment de susciter l'intérêt de tout le monde, d'avoir une marque, un truc personnel qui marque les gens et qui se disent « cette fille-là, je vais m'en rappeler ».